Il est intéressant de noter que de nombreux systèmes de l'AIM ressemblent beaucoup à vos propres inventions. Change n'a jamais été très original, mais ça les rend compatibles, ce qui peut s'avérer pratique. De quelle puissance de feu dispose l'AIM là-bas? Je dirais qu'elle est conséquente. Quelle est la propension d'armes construites à partir de ce qu'ils ont volé à Stark Industries après le Heyday? Impossible à dire à ce stade. Probablement conséquente. J'ai un mauvais karma. Chercher des pièces si Bruce m'a laissé. Cette armure tient très bien. Si on peut appeler ça une armure. Très marrant. Qu'est-ce qui m'a pris de demander une IA sarcastique? Cet ascenseur mène à l'aire d'atterrissage. Compris. Regarde-moi ça. À quel pays l'AIM a décidé de déclarer la guerre? Ces munitions semblent également similaires à vos modèles. Ça donne envie de les faire exploser. Accéder à l'ascenseur. Récupérons ces circuits réfrigérés et mettons les voiles avant que la hyène sorte l'artillerie lourde. Littéralement. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. On peut affirmer sans prendre trop de risques que Madame Rapaccini serait satisfaite de danser sur votre tombe. Merci, Jarvis. Maintenant, j'ai l'image de Monica qui fait le robot sur ma pierre tombale. Mes excuses, monsieur. Si je ne me trompe pas, le vaisseau devrait être juste là, un peu plus loin. Cet endroit a l'air sympa. Je trouve cette quantité d'armement quelque peu dérangeante. Mais où se trouve ce maudit vaisseau? Analyse en cours. Le vaisseau a été déplacé vers un emplacement plus sécurisé un peu plus loin. On ne pourra pas l'atteindre avant son décollage. On peut si on surcharge l'armure à 300% et qu'on prend le chemin le plus direct. Monsieur, vous pourriez littéralement exploser. Et ce canyon est bien trop dangereux. Ouais, mais j'ai envie d'une petite pointe de vitesse. Allez, vas-y, et mets-moi un morceau qui bouge un peu. Wow!
tiendra pas éternellement. Cette armure est la dernière chose qui me reste depuis que George a détruit tout Acre Doré. Je la perdrai pas. Les gants font un drôle de bruit. Ce n'est pas si étonnant. Vous venez de perdre un circuit d'atténuation sonore. Continuez, monsieur. Ben vite, c'est ma chance de me rattraper pour le Heyday. Aider la petite et cerise sur le gâteau. T'en connais une, agent. Tu penses bien que je vais continuer. Le vaisseau gagne en puissance. Attention, leur artillerie vous prend pour cible. Attention. On occupe. Oui, monsieur. J'ai scanné le vaisseau et il contient les pièces nécessaires pour réparer la machine de fabrication du Chimère. Excellent. Allons voir comment se débrouillent les autres et rentrons. Bruce, Kamala, vous me recevez ? 5 sur 5. Bruce est dans la pièce arme en train de faire semblant de... Préfère pas le savoir. Bon, est-ce que tout se passe bien ? Tout roule. Préparez-vous pour vos nouvelles tenues. La machine de fabrication sera bientôt réparée. Ah, c'était sympa. Je dois dire que ça fait du bien de se remettre en selle. Oui, monsieur. Vous avez été prodigieux. Ah, content de voir que le module de flatterie fonctionne. Bon, voyons un peu ce butin. Ah, on a touché le jackpot, l'ami. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour réparer la machine de fabrication. Heureux de l'entendre. D'autant plus que votre armure actuelle est, selon vos propres mots, capoute. Hé, hey, ça a marché, non ? Je savais bien que ces technologies me disaient quelque chose. Elles sont toutes inspirées de mes inventions. Certaines sont des copies conformes. Ils se gênent pas pour exploiter au maximum leur acquisition de Stark Industries. J'avais espéré qu'ils garderaient ça sous le coude sans y toucher. Avez-vous ressenti un tremblement de terre ce matin ? Le service géologique des États-Unis a mesuré un séisme dans plus de 4 points. Non, je suis pas encore prêt pour ce projet. Faire ça. J'ai trop la classe. Prends une photo, Jarvis. Bravo, monsieur.
sens enfin moi-même. En plus de la machine de fabrication, j'ai réussi à rediriger l'énergie vers plusieurs autres zones, comme la réserve. Je détecte de vieux équipements dans votre casier, monsieur. Dois-je les incinérer ? Quoi ? Non ! Ce sont pas des ordures, Jarvis. Ce sont mes affaires. Je vais aller jeter un œil. D'accord. J'arrive pas à croire qu'il t'ait retrouvé. Tu m'as manqué, mon pote. De quoi j'ai l'air, petite ? Je suis présentable ? Non, charmant ? Ça fait bien plus propre. Et tu sens meilleur aussi. Aïe ! Et j'espérais avoir fait une bonne première impression. Oh non, c'était bien! J'ai été très impressionnée par ton armure de fortune. Je suis content d'en avoir gardé une ici. Jarvis, tu pourrais me lire ces mémos, s'il te plaît ? Et pas la peine de me sortir l'excuse maintenant sans cours. Je sais que tu m'entends. Bien. Merci d'avoir aidé à réparer tout ça, Tony. Tu vois, c'était pas si compliqué, finalement. Le grand gaillard a l'air un peu morose. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est compliqué. Tu sais, je peux siffler tout en calculant des intégrales à variables multiples dans ma tête. Alors tu peux y aller. Pour faire court, la mort de Cap a beaucoup affecté Hulk. Donc tu veux dire que le grand gaillard est dépressif ? Instable, déboussolé, moins concentré. Ok, voyons comment ça évolue. Fury nous engueulait souvent d'ici. Il manque un peu.
Vous voulez changer de look? Je suis là. Je sens que vous voulez me permettre de racheter du café. Soit, mais vous reviendrez, je le sais déjà. L'agent Levin se trouve sur le pont du hangar. Si vous avez un moment, il peut vous aider à améliorer votre équipement. Hello, hello! Vous venez voir ce que je mijote? Oh, rien d'autre? D'accord. Monsieur, le scan des signatures thermiques a détecté deux sources potentielles de noyaux déclencheurs. Comment ça, potentiel? Malheureusement, à cause des systèmes de sécurité de l'AIM, il m'est impossible de déterminer avec exactitude la source des signatures thermiques à cette distance. Ah, j'aime pas qu'on dit impossible. Bon, on va mettre toutes les chances de notre côté. Bruce, Kamala, retrouvez-moi au terminal de mission. On arrive. Ok, les gars, on a du pain sur la planche. Sympa, le costume! C'est tout le problème. Comment on peut t'aider? Jarvis nous a dégoté deux signatures thermiques qui pourraient être celles de noyaux déclencheurs, mais dans des zones opposées. Vu qu'on manque de temps, nous devons inspecter les deux zones simultanément. Bruce, Kamala et toi, vous devez fouiller les environs des Badlands. Moi, je vais inspecter une ville du littoral est. Avec un peu de chance, une des deux zones contient les noyaux déclencheurs. Ça marche. Jarvis, c'est encore loin? Vous approchez de la zone, monsieur. Super. On doit retrouver ces noyaux déclencheurs et se remettre au travail. Le temps nous est compté. L'AIM ne va pas tarder à trouver l'emplacement du chimère. Et on a vraiment besoin que notre base fonctionne. Ah, la vache, elle me va bien, cette armure. Vous êtes superbe, monsieur. Tu l'as dit, Buffy. Oh là! Pourquoi y a personne? Il semblerait que l'AIM ait fait évacuer la ville à cause d'une importante activité d'inhumains. C'est surtout une excuse pour tester des technologies dangereuses. Peut-être que t'avais raison avec ton histoire de signature thermique. Leurs expériences pourraient bien utiliser des tonnes de noyaux déclencheurs. Le complexe est très bien gardé. Attendez-vous à un comité d'accueil. Tu veux dire qu'ils ne seront pas contents de me voir? Oh, y a pas un chat dans le coin. Jarvis, le complexe est encore loin? Avancez encore de quelques mètres, monsieur. Et dans les environs, les civils? L'évacuation a commencé ce matin. Bien. Qu'il n'y ait pas de blessés cette fois.
des plateformes de reconnaissance qui flottent. La IEM en a pas marre de tout me piquer. Apporter de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM ou le piratage risque d'être interrompu. Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. Presque. Monsieur, j'ai réussi à infiltrer les systèmes de sécurité de l'AIM et les données complètes des signatures thermiques suggèrent qu'il pourrait y avoir une grande source d'énergie. Donc, ce ne sont pas des noyaux déclencheurs ? Difficile à dire, mais depuis que notre intrusion a été détectée, l'AIM a initié une séquence d'autodestruction. Et si j'en juge par la taille de la signature thermique... Laisse-moi deviner, ça pourrait faire du grabuge. C'est exact, monsieur. Pas question que l'AIM détruise une autre ville. Bien, voyons un peu de quoi il s'agit. Elle sera certainement bien gardée. Pas de pause bienvenue, bien compris.
Je sais pas ce qu'il y a derrière ces portes, mais l'AIM est prêt à tout détruire pour le cacher. Oh non, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. On dirait ma technologie de réacteur ARC, mais en XXL. Donc il y aura bien du grabuge, mais en XXL. Qu'est-ce qu'il cherche à faire au juste? Ah, salut mon mignon. Monsieur, les réacteurs sont de plus en plus instables. Vous devez tout désactiver. La destruction de ces amplificateurs devrait les désactiver.
réussi à détruire le réacteur ARC. Eh bien, je ne pensais pas t'entendre dire ça un jour. On récupère ce qui peut l'être et on dégage. Vous allez bien ? Oui. Oui. Je me disais que je faisais ce qui était bien. Du moins, je le croyais. Mais regarde ce désastre. Le Terrigène, le Heyday. Puis ça. Je peux pas empêcher qu'on utilise mes idées, mais je ferai plus comme si ça me regardait pas. Je suis fier de vous, monsieur. Ouais. Moi aussi. En parlant d'inquiétant... Rose, Kamala, vous avez trouvé des noyaux déclencheurs ? On y travaille. Tommy, ça fait des heures qu'on cherche. Mais il y a une zone que j'ai laissée de côté. On y est presque. C'est un foyer d'activité de l'AIM. Je crois que je vais faire appel au grand gaillard. D'accord, les enfants. Je compte sur vous pour trouver cette deuxième signature thermique. Avec un peu de chance, on récupérera un joli paquet de noyaux déclencheurs. L'AIM ne va pas tarder à retrouver la trace du chimère. Et sans base d'opération, eh bien... on risque de boire la tasse. Alors, je compte sur vous. Et bonne chance. C'est... beaucoup de pression. Mais non ! Enfin, si, oui, quand même. Ok. Monsieur Stark compte sur moi. Jarvis, qu'est-ce que je dois faire ? La seconde signature thermique est constituée de points épars qui entourent une zone centrale assez importante, ce qui laisse supposer une concentration de noyaux déclencheurs potentiels. Ils doivent être stockés dans un lieu unique, un bâtiment sans doute. Compris. C'est quoi ce symbole ?